Joseph Poulosifakis en escrime. Tu reçois une 3e bourse avec la Capital Groupe Financier aujourd'hui, mais même en tout, c'est une 5e bourse de la Fondation. Comment tu te sens? Je me sens comme un all-star, en fait, sur une équipe all-star dans un sport quelconque. Là. C'est un privilège, je dois dire. C'est un grand honneur de chaque année recevoir cette bourse parce que c'est pas automatique. Il faut que je montre que je la mérite. Mais justement, qu'est-ce que tu as fait cette année pour la mériter? Ouais, ben cette année, j'ai fait pas mal de bons résultats au championnat panaméricain. J'ai double médaillé, médaille de bronze individuelle, argent en équipe. Et j'ai aussi fait un résultat historique à Varsovie, en Pologne. J'ai fait le meilleur résultat de l'histoire canadienne du sabre dans un Grand Prix. Donc, je pense que c'était assez pour mériter cette bourse cette année, encore une fois. Je pense qu'ils essaient de trouver peut-être des excuses de ne pas me la donner, mais j'essaie toujours de revenir. Mais j'aime ça, je m'amuse ici, puis j'adore toute l'équipe ici qui m'entoure, qui entoure tout le monde, toujours très gentil. Ils nous supportent tout le temps, puis ils nous font sentir vraiment qu'on est des professionnels, qu'ils savent à quel point on fait des sacrifices, puis c'est vraiment apprécié. Aujourd'hui, tu as reçu une bourse de 4000 $. Concrètement, comment tu vas l'utiliser pour la prochaine saison? C'est concret. En fait, j'achète un autre billet ce soir pour aller en Pologne en fin de semaine. Puis, parce que maintenant, notre fédération a beaucoup coupé dans les dépenses l'année dernière. Il y a eu des problèmes financiers. Donc, je veux dire, plus que jamais, j'ai besoin des bourses de même. Comme ça, ça nous aide énormément. Je dois acheter un billet d'avion pour la Pologne, puis un autre pour le Mexique dans 2 semaines. Donc, je veux dire, c'est directement maintenant, ça va aller vers mes compétitions. Donc, je veux dire, c'est sans doute, ça va m'aider. Et Joseph, si on revient à toi, quelles sont les responsabilités et les devoirs d'un athlète qui est commandité, qui est appuyé par la Fondation? En fait, toujours de montrer que c'est la capitale qui m'aide aussi. Le montrer, puis parler en bien de la Fondation, parce que j'ai vraiment rien de mauvais à dire. La Fondation d'athlètes excellence de la capitale, l'Hydro-Québec qui m'a aidé, je veux dire, tout le monde a été incroyable, puis je pense que c'est ma responsabilité d'en parler à tout le monde, puis de dire comment ça m'a vraiment aidé dans ma carrière, puis comment ça va aider d'autres jeunes dans leur carrière. Donc, je veux dire, c'est ma responsabilité d'être, disons, un ambassadeur de la Fondation et de la capitale et d'Hydro-Québec et tout le monde qui m'a aidé pour essayer de dire que ce monde-là, ils font vraiment quelque chose de bien. Suivez leurs exemples parce que c'est quelque chose de vraiment spécial.